Arrêtez avec vos putains de rumeurs. Les Parisiens, ils arrivent même pas à acheter Coutinho. Ils te parlent de Neymar. Oh là, il viendra pas au PSG, Neymar. La vie de ma mère, il viendra pas. Si Neymar, il vient au PSG, je suce tous les zboubs de Paname. La vie de ma mère. Marrant, il a pas de cheveux. Depuis qu'il a 8 piges, on l'appelle monsieur. Il est tellement vu qu'il a une 4 chevaux. Je connais bien les chevaux car j'ai la même queue. Ton cul, c'est... Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu en retard, c'est vrai, bah bon, j'ai mes raisons, et je pense que surtout, les personnes qui étaient sur le live hier savent pourquoi, bon, cette vidéo arrive en retard. Donc, j'ai fait une nuit blanche hier, on a fait un live ensemble, donc merci à toutes les personnes qui étaient là. Globalement, vous étiez plus de 200, c'était vraiment super, super ambiance. C'était vraiment très cool, j'ai pas l'habitude de live et bon, vous étiez là, voilà, avec le soutien nécessaire, etc. Et donc, j'ai quand même beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, donc il y a des chances qu'on refasse un live ce soir. On va dire que c'est possible, c'est pas sûr à 100%, on verra bien comment ça se présente. Mais voilà, c'était vraiment super encore une fois, merci à tous d'avoir joué le jeu, c'était nickel. Du coup les gars, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, donc en ce qui concerne les nus, pour ceux qui ont vu les snaps, etc. et même qui ont vu le live hier, vous êtes au courant de quelque chose que les abonnés regardant cette vidéo ne savent pas. C'est que j'ai eu un dernier client, PL 200. J'avais dit que j'arrêtais, mais j'ai accepté. Ça devrait faire office de vidéo pour demain, donc je vais pas trop vous en parler. Là, aujourd'hui, je préfère me concentrer sur cette vidéo et vous dire comment moi je vois les choses. Les Nutrof, au moment où je vous parle, il est un peu plus de niveau 120, je crois. Donc hier c'est un truc de fou. En fait hier je vous explique, j'étais pas chez moi. Donc j'étais avec un pote à moi et j'étais avec le co-teamer. On était chez lui. Donc en plus sachant que bon, il vient de changer de PC etc. Donc j'ai pu tester tout ça en live. Donc connecter 8 comptes avec live, avec les animations sans aucun bug, avec Spotify. Enfin bref, tout un tas de choses d'ouvert, c'était vraiment nickel. C'était vraiment super cool de faire ce live avec vous, franchement c'était dingue. Donc hier, pour ceux qui ne savent pas, on a fait un live de 23h je crois, 22h, 23h, je sais plus, jusque 7h30 du matin. Et bah moi ça m'a fait super plaisir. Après comme je l'ai dit, voilà, j'ai pas l'habitude. Mais en ce qui concerne les Nutrof les gars, ce n'est que le commencement de la team. Pour les personnes qui auraient été susceptibles de ma team, de ma petite team, bon, on va dire ma petite team de 4 au début, hein, Cryop, Panda, The Ball. Maintenant, elle s'agrandit avec les Nutrof. Il y a des personnes qui veulent que je fasse un ENI, je n'en ferai pas. Sauf si je devrais refaire une classe, mais je vous cache pas qu'avec les 5 classes que j'ai là, encore que j'ai même pas besoin forcément du The Ball avec un Nutrof, vu que le retrait PM est tellement cool en soi. Il y a des personnes qui n'ont pas de Panda dans leur team. Il y a des personnes qui n'ont pas des Nutrof dans leur team. Il y a des personnes qui n'ont pas de Kra dans leur team. Ceux qui n'ont pas de Panda ou des Nutrof, un des deux quoi, je comprends pas. Enfin, surtout Pandawa. Pandawa pour moi c'est le pilier de la team. C'est aussi simple que ça. Pandawa c'est celui qui permet de placer ses persos. C'est le soutien tout simplement. C'est lui qui met les vues, c'est lui qui donne des PM, c'est lui qui débuffe, etc. Les Nutrof, en soi, les Nutrof avec le Kra, c'est sans doute l'une des classes les plus polyvalente du jeu, les plus utiles, les plus utilisées. Pourquoi? Parce que les Nutrof a cette capacité d'entrave. Donc pourquoi? Enfin, c'est justement la question que... C'est la réponse à laquelle... Enfin, on va dire que j'ai eu pas mal de questions. Pourquoi les Nutrof et pas une Ripsa? La réponse est très simple. Donc là, vous pouvez voir, les gars, je fais le succès main propre. Donc voilà, c'était un petit kiff de le faire en soi. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, autant balancer des succès directement sur le perso, quoi, même s'il a pas de level. Et du coup, les gars, pour parler des Nutrof en question, là, vous voyez, en fait, je suis en train de lui faire passer, enfin, dans cette vidéo, le donjon Royal Moot, puis le donjon Manso Royal. J'ai filmé également le Ben, le Tengu, non, le Ben, l'Obzi, le Tengu, le Kori,
et le Colosso. Donc les 5 donjons, les 5 autres donjons, je les ai filmés quand j'étais chez mon pote hier. J'ai également fait le Glour, mais j'ai pas filmé parce qu'en fait on était chez Ange, justement, on était chez le Cotumeur, et je me suis dit bon, c'est pas très grave si je filme pas le Glour. Et du coup, bah les gars, au moment où je vous parle, en fait, Lénu a déjà accès à Freakos 3. C'est vrai que je vous avais dit dans la vidéo d'hier que Lénu, j'allais le faire tranquillement, mais comme je vous l'ai dit, il y a eu des rebondissements énormes. C'est-à-dire que je m'attendais pas à avoir un nouveau client, je m'attendais pas. Parce que de base, j'ai refusé en fait. Quand on m'a contacté pour faire du PES, j'ai dit non, bah écoute, en fait, j'arrête tout simplement. J'ai arrêté à partir du moment où j'ai plus à dire, voilà, j'ai atteint l'objectif Kama. Sauf que cette personne était prête à miser un peu plus que les autres en termes de Kama. Puis cette personne était surtout très sympathique. Mais bon, je vais éviter d'en parler un petit peu trop. Je vous en parlerai demain, vous en faites pas, je vous en parlerai demain. Ça va être normalement la vidéo du jour. Du coup, les gars, bah, j'ai en fait le Ben, l'Obzi, le Tengu, le Kori et le Colosso. Donc j'ai 5 donjons à vous poster. Le problème, c'est que je sais pas quand est-ce que je pourrais vous poster ça, parce que si je vous parle de l'abonné PL en question, eh bien, ça sera après, enfin, on va dire que ça s'était passé après que j'ai passé les 5 donjons là, du coup, ça m'arrange pas. Je sais pas comment faire. Ça sera peut-être posté pendant les vacances, ça sera une vidéo un petit peu HS, peut-être avec juste de la musique. 5 donjons juste avec la musique. La vidéo dure une heure en soi. En heure pure, elle dure une heure parce que le Colosso, je crois, j'ai filmé que le boss. Le Cori, j'ai filmé que le boss. Sinon, le Ben, j'ai filmé, je crois, tout le donjon. Si j'ai pas de bêtises, le Tengu aussi. Et le Cori, je sais plus. Non, le Cori, que le boss aussi. Mais voilà, sinon, les gars, franchement, c'est juste le début de la team. Voilà. Danutrof, pour moi, ça va être la classe qui va me permettre de gérer tous les autres donjons. Les donjons les plus durs du jeu, ça va être grâce en partie à l'Enutroph et au Kra, évidemment. Kra et Enutroph en soi, je vous le conseille. Clairement, je vous conseille ces classes. Alors, pourquoi? Pourquoi Kra et Enutroph? Pourquoi ces deux classes-là? Je vous explique un truc. Ça fait maintenant un certain temps, sans doute même des années, que j'ai remarqué un truc, et ça j'ai d'ailleurs toujours dit en vidéo. Ankama ne cesse de créer des nouveaux mobs qui tapent trop fort. Je pense que vous serez tout à fait d'accord avec moi. Les dimensions. Il suffit d'approcher un ennemi pour se prendre du moins 2000 dans la gueule en un tour par un seul mob. Donc, si on utilise un minimum son cerveau, on se rend compte que bah, pourquoi prendre ses dégâts si on... Enfin, pourquoi aller au corps à corps si on doit prendre ses dégâts? Pourquoi ne pas jouer distance? Il y a des classes qui jouent distance, donc autant la jouer safe. Je pense que vous comprenez tout à fait mon point de vue. Ma façon de voir les choses, et autant jouer avec des classes qui jouent distance. Enfin, je veux dire, quand vous faites une reine des voleurs et qui vous balance du moins 2000 hein, en crit, hein, moins 2000, moins 2005 en crit au corps à corps, pourquoi vous faites ça? Il y a même des mobs qui one shot au corps à corps. Donc, et Nutrosaur, c'est pareil, tous les mobs de toutes les dimensions, ils tapent trop fort, à très courte portée, ils tapent trop fort. C'est pour ça que les classes telles que Kra et Nutroph, etc., les classes qui tapent à distance, sont les classes les plus utilisées et les plus appréciées actuellement. Moi, le Kra, ça fait maintenant 4-5 ans que je l'ai. Je m'en lasse pas. Au fond, j'ai toujours aimé jouer Kra parce que, justement, c'était une classe qui permettait de taper à distance. Et donc, forcément, si on joue distance, on la joue safe. Donc, on a beaucoup plus de chances de gagner en termes de réussite, en termes de combat. Et sur le coup, bah, je me suis dit, bah, ok, bah, je vais jouer Kra. Donc là, les gars, je fais un manceau royal en succès collant. Et en succès dernier, donc double succès, bon, pas très compliqué en soi. Hein. Et du coup, bah voilà, les gars, là, c'était tout pour mon avis vis-à-vis du... Pourquoi les Nutroph? Voilà, c'était pour répondre à mes abonnés. Pourquoi les Nutroph? Maintenant, vous avez la réponse. En tout cas, voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On touche déjà... C'est déjà la fin de cette vidéo, bon, elle est un petit peu courte, 10 minutes. Mais ouais, c'est, comme je vous l'ai dit, j'ai fait nuit blanche, là j'ai dormi que 4 heures en soi. J'ai dormi de 8 heures du mat à midi, parce que j'arrive pas à dormir plus en fait quand je me couche trop tard. Mais voilà, ce soir c'est un live, j'espère que vous serez présent, je sais pas, c'est pas sûr à 100%. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, c'est Joystick. Ciao les gars.